nous avons vu un monsieur à la devanture du secrétariat. C'est comme s'il sortait du secrétariat. Donc, le jeune gardien du mérite l'a interpellé pour dire « Toi, t'es qui? T'es là en qualité de quoi ?» Après, moi, je l'ai regardé, j'ai vu qu'il n'a ni, il n'a pas de badge. D'interrogation en interrogation, j'ai vu dans ses mouvements qu'il y a des éléments étranges, n'est-ce pas, des mouvements sous sa chemise. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as sous sa chemise? Il a commencé à demander pardon. Moi, je l'ai tapoté, j'ai vu effectivement qu'il y a des feuilles sous sa chemise. Voici le premier lot de feuilles. J'ai regardé, j'ai vu que ce sont des traités du sujet d'éducation civique et morale. Les agents de sécurité aussi, en sortant, ont arrêté deux autres qui avaient les mêmes copies, les mêmes traités. Donc nous sommes là dans ce cadre-là. C'est un réseau bien structuré, bien organisé, de bandits à grand chemin qui sont contre le système éducatif, donc par ricochet, qui sont contre la nation, qui sont contre l'avenir de la nation, parce que lorsqu'on s'attaque à l'éducation, on s'attaque à l'avenir, au devenir de la nation tout entière.